Bonsoir à la une de cette édition. 4 morts entre samedi et aujourd'hui. Parmi 2 jeunes qui ont perdu la vie dans un accident de la route à Plaine-Magnan hier soir, ce qui ramène le nombre de décès à 72. Agression avec des armes en pleine journée à Vallée des Prêtres. Depuis quelques jours, plusieurs cas ont été rapportés. Un ou des singes qui sèment la panique à Plaine Verte. La police a même été sollicitée. La CWA a déjà fait des propositions pour augmenter le prix de l'eau. Ceux utilisant plus de 50 mètres cubes devraient payer le double de leur facture actuelle. Et puis, nouveau tremblement de terre à Mayotte. La plaque africaine se fissure selon certains chercheurs. Ils sont partis à la fleur de l'âge. Arvin Djula, 22 ans, et Nitish Angar, 17 ans, ont tous deux perdu la vie dans un accident de la route survenu tard dans la nuit du dimanche à Plaine-Magnan. Les deux étaient à moto et leurs corps sans vie ont été retrouvés sur le rond-point de Solitude. L'autopsie a indiqué que Nitish Angar est mort suite à une fracture du crâne, tandis que Arvin Djula a rendu l'âme après une rupture de la rate. De nombreuses interrogations demeurent sur les circonstances de cet accident. Les proches des deux jeunes victimes sont inconsolables, Kavina Ramparsad. Kajol, la fiancée de Arvin Djula, est encore sous le choc. Les préparatifs avaient déjà débuté pour qu'ils se marient cette année. Ils ont un petit projet ensemble. Ah mon Dieu. La mère de Arvin est inconsolable. Elle avait demandé à son fils de ne pas sortir hier soir. Non, mais ça revenait aussi sur moi, elle n'est pas mon Dieu, elle n'est pas mon Dieu, elle est pressée. Je me suis pas pressée, mais elle n'est pas sortie à l'air. Je ne suis pas cassée, mais je suis quittée sur le temps. Je me suis collée sur le temps. Je suis la calme. Je suis content pour moi. Ramparsad Angan, le père de Nitish, pensait lui que son fils était en train de jouer à la pétanque. Non, je me pensais qu'il était dans le terrain de pétanque, bébé. Évidemment, je suis dans le terrain de pétanque, bébé. Dans l'air, on va connaître le final. Nitish était un bon vivant et était très apprécié de son entourage. Oui, j'ai un grand ami quand, mais il se peut voir du monde partout. Enfin, il n'y a pas l'une d'enfermement d'affaires. Mais il n'y a pas de social, ça va. Mais il n'y a pas aussi du monde là, il n'y a pas de vie dans ça. Les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit demeurent floues. La police poursuit son enquête. Cet autre accident où un jeune homme de 22 ans a rendu l'âme cet après-midi à l'hôpital du Nord après un accident survenu 3 jours de cela à Pointe-aux-Canonniers. Il s'agit de la 72e victime sur la route depuis le début de l'année. Des agressions en pleine journée à Vallée des Prêtres depuis quelques jours sont en train d'instaurer un climat d'insécurité dans cette région. Il s'agit de vols avec violence. Compte rendu Mima Omia Dahari. Il a failli y laisser la vie. Vendredi, un bas sortait tout juste de chez lui quand il a reçu un coup à la tête. Il a ensuite perdu connaissance. Les voleurs ont fait main basse sur son téléphone portable. Vendredi, tout c'était. Tout dégosse, puis passer de tes gosses. Après, ils ont crié, moi, ils ont tapé de moi dans la tête. Mon père a perdu connaissance, je suis tombé, je suis vomi du sang, je suis allé pour une cassée. J'ai encore un mot portable. C'est ça que je apprends, la police peut passer. La police, ils mettent à l'homme, ils suivent eux depuis ça, ils ont regardé dans la quai de Dorbois. Ils ont sauvé pendant que c'est eux. L'autre incident s'est produit jeudi. Un couple de propriétaires d'un magasin a échappé de justesse à des agresseurs qui ont fait irruption avec des sabres. J'ai dit vers midi comme ça, il y a déjeuner. Mon parent, tu peux faire un magasin. Il y a des gens qui sont rentrés en cagoulé. Ils prennent bien rentrer, ils sont en cagoulé. Ils rentrent, ils tiennent long sable et ils mettent de côté. Deuxième main rentrée, tu as un sable de son armée ici. Ils ferment la porte. Heureusement qu'il y a un voisin qui a trouvé des hauts. Mais maintenant, je suis sorti, je suis allé voler. Je suis allé voler, j'ai ouvert la porte, j'ai commencé à galper, j'ai allé. Mais je suis parti, je suis allé dormir. Mais pour l'endroit, il n'y a pas une sécurité, c'est un grand midi comme ça. Plusieurs dépositions ont été faites au poste de police d'Abercrombie. La police a ouvert une enquête. Je vous le disais au sommaire, des primates ont été aperçus à Plaine Verte depuis quelques jours. Ils sèment la panique dans la localité. Les habitants ont même sollicité la police pour trouver une solution. Mais ben, je me disais que vous allez y agacer des monstres. Non, c'est un cas là-bas. Il n'y a plus qu'à rembourser le côté. Assez de respucer.
Zako vin kaskwa ron boul. A sete boul fam tou Zako li pire. A sete Zako si den kaskwa ron boul tou boul fam. Sakren pire sou kamarad. Lem ki boul fam in telefon na polis. Normalman Zako va fe non il lem li pire. Je vous le disais, au sommaire, un inspecteur de police entendu par les officiers de l'ICAC. Ce dernier est accusé d'avoir demandé une forte somme d'argent pour falsifier des enquêtes. Le haut gradé a été convoqué à l'ICAC le 10 mai dernier. Deux plaintes ont été consignées contre lui. On parle cette fois de la consommation eau. Entre 25 à 30 roupies, ce montant s'ajoutera à votre facture de la CWA si vous utilisez jusqu'à 25 mètres cubes d'eau mensuellement. 25 mètres cubes d'eau, c'est la consommation moyenne d'un foyer. La Central Water Authority a déjà établi une grille pour l'augmentation du prix de l'eau. Le document a été envoyé au gouvernement pour être approuvé. Ceux qui consomment plus de 50 mètres cubes d'eau devront faire attention. Leur porte-monnaie risque de souffrir car la facture risque de doubler. L'enfant est un être humain à part entière et il faut donner de la valeur à ce qu'il dit. C'est l'avis exprimé par l'Ombudsperson for Children, Rita Venkata Sormi, à l'issue d'un atelier de travail sur les droits de l'enfant à quatre bornes ce lundi. Ici à Maurice, d'information, c'est autour de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un article très important, hein? Parce que c'est les causes, l'importance pour qu'il y ait des enfants causés. Les besoins écoutent les enfants. Parfois, dans le culture, nous avons l'impression de dire, mais les enfants, qui font nos besoins écouter. Mais la Convention vient dire le contraire, vient dire qu'il y a des enfants, c'est un être humain à part, c'est-à-dire qui nous besoin de lui la parole. Et dans cette formation-là, ce qu'il nous peut faire, nous peut discuter ensemble avec des représentants de différents pays. Mais comment pour faire ça? Quelle stratégie pour adopter? Parce qu'il ne suffit pas de donner à un enfant un micro et d'aller poser quelques questions pour lui causer, pour lui donner droit à la parole. Il y a une formation qui va en adulte, bien énorme, pour qu'il nous favorise sa parole-là chez l'enfant. Et là, ce qui est intéressant, nous restons plus que 12, 13 pays qu'il a chez nous à Maurice. Ça peut être enrichissant pour le bureau de l'Ombudsman. Et pour tout le monde, au fait, nous bien contents que le ministère de l'Égalité des Genres, la ministre lui-même, il répond présent. Donc, ce cérémonie d'ouverture et que je suis content aussi que ça va un échange là pour permettre d'améliorer la qualité de l'écoute qui nous vient auprès de Bazo. L'année dernière déjà, les scientifiques alertaient sur une plaque tectonique qui serait en train de se briser en deux selon les travaux réalisés lors de deux croisières océanographiques par l'équipe de Satish Singh de l'Institut de physique du Globe de Paris. La plaque tectonique indo-australienne dans l'océan Indien serait en train de se briser en deux. Les scientifiques se sont notamment intéressés au bassin de Wharton, une des zones les moins fréquentées de l'océan Indien, frappé ces dernières années par quatre violents séismes. Pour étayer leur conclusion, les chercheurs s'appuient sur plusieurs informations sismiques et sur des failles qu'ils ont découvertes dans les fonds marins grâce à un sonar haute fréquence multifaisceau. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.